C'était un phénomène, elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change le plus grand délinquant en gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle vous mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner, elle n'avait qu'à demander. Puis aussitôt on démarrait, on cherchait à l'impressionner, à devenir sa préférée sans savoir qu'elle vous mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Ou moins que ça, une moins que rien, juste une pierre sur son chemin. Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tout le village. Les gens me disaient, méfie-toi de cette fille-là. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tout. Les gens me disaient, méfie-toi de cette fille-là. Oui, c'est un phénomène qui aimantait nos rêves. Cette femme était nommée Bella la peau dorée. Certaines la haïssaient, d'autres la jalousaient. Mais moi, je ne pouvais que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile. Synonyme de magnifique, ses pieds que des disciples qui devenaient vite indécises, tremblantes comme des feuilles. Elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Ou moins que ça, une moins. Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient, méfie-toi de cette fille-là. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient, méfie-toi de cette fille-là. Fais-moi tourner la tête, tourner la tête.